tellement heureux qu'il nous ait acceptés pour l'adoption. Je suis tellement nerveuse. Bonjour, nouvelle maman et nouveau papa. Quoi? Ah ouais! Bienvenue dans la famille. Eh bien, vous l'avez compris, je suis une sirène. J'ai enfin ma propre maison. Ma propre table de chevet. Mon propre verre. Achou! Aïe! Harry, dépêchons-nous. Oh non! Je ne veux pas être vue comme ça. Quoi? Que s'est-il passé? C'est rien. Je suis si fatiguée. Oui, bien sûr. Repose-toi. Ouf! Heureusement qu'ils n'ont pas vu ma queue. C'est quoi cette odeur? Harry, tu sens le poisson. Le poisson? Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Lavons les cheveux. Non! Maintenant, nous saurons qui tu es. Non! C'est une sirène. J'ai un shampoing sec. Et voilà. Et maintenant, je vais y aller. Désolée, chérie. Je suis pressée. Eh bien, ça va être long. Tu peux entrer. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cheveux. Papa! Quoi? Papa, je suis pressée. Désolée. Oh. Tu peux entrer. Comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Des écailles de poisson? D'où est-ce que ça vient? C'est étrange. Harry, regarde ce que j'ai. Deux billets de théâtre. Cool! Quelle performance! Eh bien, c'est ennuyeux pour moi. Bravo! Bravo! Quoi? C'est un chef-d'œuvre! Oh! Oups! Où est Harry? Où étais-tu? J'ai apporté des fleurs aux acteurs. Une si bonne pièce. Tu me comprends si bien. Harry, allons déjeuner. Je suis tellement affamée. Qu'est-ce qu'il y a pour déjeuner aujourd'hui? Du poisson. Comment puis-je manger, mes amis? Oh, j'ai oublié un couvert. Dépêchons-nous, je n'ai pas beaucoup de temps. Je te sauverai. Merci, Harry. Cache-toi. Et voilà. Mais où est... J'étais tellement affamée. C'est bon. L'essentiel, c'est que tu sois rassasiée. Harry, j'ai acheté des billets pour une nouvelle pièce. Ouais, cool. Bravo, bravo. Oups, j'ai besoin d'une protection.
Je suis si intelligente. Je suis vraiment enthousiaste. Il faut que je boive. Achou! Harry, je suis désolée. Maman, je vais chercher les fleurs. C'est étrange. Qui est-elle? Je pense que c'est un crabe. Non, je suis sûre que ce n'est pas un crabe. Je pense que c'est une sirène. Je parie que c'est un crabe. Je parie que c'est une sirène. Oh, je suis désolée, Harry. Je suis tellement maladroite. Tiens, prends la serviette. Harry! Regarde! Ouais, tu avais raison. N'aie pas peur, Harry. Nous ne nous soucions pas que tu sois une sirène. Nous t'aimons encore plus. Je vous aime aussi. Et maintenant, c'est la fête. Waouh, une queue en or. Merci, papa. Regarde ce que papa m'a offert. Maman, c'est des perles. Et alors? Mais... les perles sont de petites maisons. Ouais, je suis désolée. Harry, comment c'était de vivre dans la mer? Eh bien... c'était... Harry? Pas sûr. Et maintenant, tu es en sécurité. Voici tes proches. C'est ta tante. Et voici ton oncle. Super. Et qui est-ce? C'est ton grand-père. Et le voilà. Je vais ouvrir. Bonjour tout le monde. Allons à la pêche. Non! Allez, Drew, n'aie pas peur. Ce soir, la comète la plus mystérieuse va voler dans le ciel. La comète de la sirène. Il y a une légende selon laquelle cette comète est passée près de la Terre il y a 500 ans. Et des choses très étranges se sont alors produites. Deux filles se sont transformées en sirènes. Les gens les ont découvertes, les ont attrapées et... et personne n'a jamais eu de nouvelles. C'est pourquoi la comète s'appelle ainsi. C'est absurde. Il n'y a pas de sirène, c'est juste un conte de fées. On l'appelle comme ça en raison de sa queue en forme de sirène. J'ai un sentiment étrange. Peut-être devrions-nous y aller. J'ai peur que quelque chose de terrible n'arrive. Ne t'inquiète pas, peureuse. Si nous y allons, nous allons manquer un événement rare. Regardez, ça commence. Une queue comme celle d'une sirène. C'est tellement beau. C'est incroyable. Ah! C'était quoi? C'était quoi, quoi? Une boule de lumière. Elle est descendue du ciel et nous a touché moi et Drew. Vous ne l'avez pas vue? Bien sûr. Une boule de lumière. Magie et sirène. Et vous allez être des sirènes maintenant. Oh! Et nager dans l'océan. Et nous enchanter avec votre chant magique. Et nous entraîner vers la mer. C'est super, mon pote. Je te le dis, je n'aime pas ça. Étrange nuit. J'ai rêvé de la mer et d'eau. Et que j'avais une queue. La légende de la sirène a dû m'effrayer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Harry? T'as pas encore fini? Encore une minute, maman. Qu'est-ce que...
qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ouf, ça a marché. J'espère qu'il ne reste rien. Ça a l'air propre, sans aucun signe de sirène. Chérie, tu as faim? Je vais te préparer le petit déjeuner. Oui, maman, j'ai envie de manger. Je vais te le faire et tu m'aides à faire la vaisselle. J'ai changé d'avis, maman. Je n'ai plus faim. Et je dois aller à l'école. Au revoir. Quelque chose ne va pas, Drew? Aïe! Fais attention où tu vas, l'intello. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Hé, hey, Drew, quoi de neuf? Rien. Tu n'as pas fait tes devoirs, n'est-ce pas? Prends le mien. Tu es adorable, Drew. Je t'adore. Jamie, tu n'en as pas marre de traîner avec des perdants? Je fais une fête chez moi vendredi soir. Seules les personnes les plus cool sont invitées. Et pas d'intello. Nous allons regarder les matchs des Lakers. Les Lakers, d'accord. Je suis désolée. Il n'y a plus d'invitation. Oh! Que se passe-t-il? Ah! C'était quoi? Ah! Oh, encore rien! Aucune information utile sur la façon de se débarrasser d'une queue de sirène. Ce livre dit que les sirènes ont une queue. Ce livre dit qu'elles ont des pouvoirs magiques. Ce livre dit qu'on peut devenir une sirène la nuit sous une comète qui passe. Et pas un seul mot sur la façon de se débarrasser de cette foutue queue. Pour la première fois de ma vie, les livres ne me donnent pas de réponse. C'est exact. Ce sont des livres ordinaires. Il faut chercher dans les livres insolites. Des livres anciens. Quelque chose comme ça pourrait être dans le grenier. Ah! Compris! Ma chérie, est-ce que tu vas bien? Ouais, maman. Je me suis endormie et je suis tombée du lit. Attention! Tu déplaces des meubles? Ouais. Enfin, presque. Chérie, laisse-moi t'aider. Pourquoi es-tu assise par terre? Pour le plaisir. Drew, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange ces derniers temps? Non. Tu veux dire quoi? Eh bien, tu as envie d'algues? Peut-être que tu as pris plus de bain de sel? Je ne pense pas. Et tu as envie de te baigner dans l'océan? Votre verre d'eau. Non! Oh, pardon, je reviens tout de suite avec une serviette. Tu es devenue une sirène! Qu'est-ce qu'on fait? Si le serveur entre maintenant, nous serons exposés. Nous sommes foutus! Oh mon Dieu, je ne veux pas finir entre les mains des scientifiques. Je vais être analysée ou envoyée aux eaux. Attends, Drew. Que se passe-t-il? C'est parti! La queue est partie! Comment as-tu fait ça? Les sirènes ont des pouvoirs magiques. Je dois avoir le pouvoir du feu. Super! Fais autre chose! Oh non, non! Ce n'est pas ce que je voulais faire! Ah! Arrête ça! Arrête le feu! Stop! Stop! Harry, ne bouge pas! Tu ne fais que propager le feu! Si le feu éclate lorsque tu es nerveuse, il peut s'éteindre quand tu te calmes. Ça vaut la peine d'essayer. De la méditation, répète après moi. Je suis calme! 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 Je suis calme. Ça a marché.
Le feu est éteint. J'avais raison. Ah, chaud, 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 chaud. Pourquoi ça ne disparaît pas? Non, Harry, il faut se calmer. Ah! Hein? On dirait qu'on a aussi trouvé ton pouvoir. Nous devons entraîner nos pouvoirs, sinon ça finira certainement mal et nous serons démasqués. Jou? Oh, j'ai oublié de ranger ça. Tada! Boire de l'eau. La clé du contrôle du pouvoir est le calme et la concentration. Tu dois te concentrer sur l'objet et y consacrer toute ton énergie et l'évoquer calmement. C'est super! Ça marche! Je peux le faire! Oh mon Dieu! Je le fais bien! Oh! Je veux essayer aussi! Pas. Je t'ai dit de te concentrer. Tu dois penser à autre chose. Feu! 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 Ça marche! Vaporisation! Bon, je n'achèterai plus jamais de théière. Aïe! Tu peux m'aider? C'est chaud! À ton avis, quelle magie est la plus forte? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ah! Hein? Quel est le problème? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des médaillons. Tellement beau! Le pouvoir du feu et de l'eau. Je le porterai tout le temps. Waouh, c'est comme s'il m'avait reconnu. Je me sens mille fois mieux. Jamie, salut. Hey, Drew, je tiens à te remercier de m'avoir aidé avec mes devoirs. On va au restaurant dans 20 minutes, sois prête, c'est moi qui régale. Super, je t'attends. Wouhou, je pense que j'ai un rencard. Oups, je dois contrôler mes émotions. Steve et moi avons trouvé un plan pour tricher aux examens. On va réécrire le manuel sur un aide-mémoire. Ça prendra une semaine, mais ça en vaudra la peine. On aura toutes les informations à portée de main. C'est plus facile que de tout apprendre. Si tu ris, tu prends. Oh! Je n'aime pas être sale. Elle ne m'aime probablement pas. Il pense probablement que je suis bizarre et il ne m'aime pas. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Drew, je voulais te le dire depuis longtemps. Je t'aime bien, Drew. Vraiment? Oh non! L'eau! Je dois courir! Drew? J'aurais dû ne rien dire. J'ai tout gâché. Il ne me parlera plus jamais. Parce que je suis bizarre. Je suis une sirène. Et je ne peux même pas lui en parler. Hé! Quoi de neuf? La fête, c'est ce soir. On y va en couple? Qu'est-ce qu'il y a autour de son cou? Un médaillon. C'est magnifique. C'est censé être le mien. Drew, comment ça va? C'est pour moi? J'amène tous les ados cool à ma fête. Et comme Jamie pense que tu es cool, je dois t'inviter. En plus,
Il t'aime bien. Ce qui veut dire que je t'aime aussi. Tu dois venir. D'accord, je serai là. Merci. C'est un beau médaillon. Assure-toi de le porter. Comme ça, je pourrai facilement le voler. Jamie m'aime bien après tout. Non, non, non. Je ne vais pas aller voir la méchante Paige. Elle est mauvaise, gâtée, méchante. Elle ne peut pas t'aimer. Crois-moi, Drew, elle ne prépare rien de bon et elle essaie de te piéger. Tu ne peux tout simplement pas croire que quelqu'un puisse m'aimer, que je pourrais soudainement devenir populaire. Paige m'a dit que Jamie m'aime bien et qu'elle m'aime bien. Et tu sais quoi? Je la crois. C'est stupide. Tu verras, elle te trahira comme elle m'a trahi autrefois. Paige est une personne horrible et tu te souviendras de mes paroles quand tu pleureras. Nous ne sommes plus amis si c'est ce que tu penses. Les amis ne parlent pas comme ça. Quelque chose ne va pas. Harry n'est pas mon ami si elle pense que les gens ne peuvent pas m'aimer. Waouh! C'est une robe magnifique. Je suis magnifique dedans. J'achète. Waouh! Quel prix! Je ne peux pas me permettre une robe comme celle-là. Oh, la voilà à nouveau. Drew, hey, tu es là aussi. C'est une robe magnifique. Oh, merci. C'est tellement cher, je ne peux pas me le permettre. Oh, pauvre Drew. Je peux t'aider. Je te donnerai l'argent. Et tu me donneras quelque chose en échange. Tu veux? Je ne sais pas, c'est tellement cher. J'aime beaucoup ton médaillon. Vends-le-moi et je t'achèterai une robe. C'est très précieux pour moi. Tu es très jolie dans cette robe. Jamie tombera amoureux de toi. Tu ne trouveras pas de robe comme celle-là. Jamie! Non, je suis désolée, je... Ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Je ne pense pas pouvoir le vendre. C'est bon. Reste dans tes fringues bon marché. Ah! Bref, viens à la fête. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Je n'ai rien vu. J'ai dû l'imaginer. Bye bye. Elle est mignonne et elle m'aime bien, je pense. Mademoiselle, s'il vous plaît, ouvrez votre sac à main. Je n'ai pas pris ça. Ce n'est pas le mien. Vous allez devoir venir avec moi, mademoiselle. Drew, as-tu volé quelque chose? Je jure que je n'ai rien pris. Appelle Harry, s'il te plaît. Bien sûr, Drew. Je vais certainement l'appeler. Et les avocats. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler tout de suite. C'est tout. Elle aurait pu obtenir de l'argent pour ça. Stupide, Drew. Le cosinus X est égal au sinus Y plus 5 moins 8. Stupide, Drew. Comment elle a osé? Harry, tu es à nouveau distraite. J'explique cet exemple depuis une demi-heure. Je suis désolée, Pete. Tu peux m'apporter de l'eau? Bien sûr. J'espère que tu pourras enfin te concentrer. Drew, et s'il lui arrivait quelque chose? Et si Paige découvre qu'elle est une sirène? Alors nous sommes toutes les deux mortes. Oh, qu'est-ce que c'est? Je savais que Paige était méchante. Drew doit être secouru maintenant. Ah! Oh, merde! Je suis désolée. Quoi? Tu es une sirène. C'est à cause de cette comète. Ah! Tu es une sirène. Une sirène. Encore un ami de moi. Super, Harry. Je m'occuperai de Pete plus tard. Il est temps de sauver mon ami. Je
suis désolée, Harry. Je n'aurais pas dû penser que je pourrais être appréciée par quelqu'un d'aussi populaire. Je suis une perdante. Non, ce n'est pas le cas. Tu es une amie gentille, serviable, intelligente et très cool. Toute personne réfléchie aimerait être amie avec toi. Et Paige ne l'est tout simplement pas. Elle organise une fête. Pourquoi on lui tend pas une embuscade? Ouais! Versons du tabasco sur le gâteau. Non, frappons-la au visage avec un gâteau. Non, volons son gâteau et... Tu oublies notre plus grand avantage. Nous sommes des sirènes. Nous allons lui offrir une aventure en mer. Oui! Mais d'abord, récupérons mon médaillon. Sans lui, je me sens plus faible. Apparemment, c'est là que se concentre notre pouvoir. Très bien, préparons-nous pour la fête. Même si ce n'est pas une fête pour s'amuser, il faut quand même être superbe. Waouh, tu es magnifique! On dirait que ce médaillon peut faire plus que ce que nous pensions. Essayons-le sur Paige. Ouais, c'est très vieux. Et donc, cher. Je l'ai eu chez un antiquaire. Très cher. Ah! Tes mains sont grasses. Personne ne vous a invité à la fête. Je m'en fiche de ta fête. Je suis là pour reprendre ce qui ne t'appartient pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce qui se trouve dans cette pièce m'appartient. C'est ma maison, mes amis, ma fête. Donne-moi le médaillon de Drew. N'y touche pas. Ah! Rends-le, il n'est pas à toi. Donne-moi le médaillon! Lâche-moi, espèce d'idiote! Hé, arrêtez ça! Allez, les filles, vous allez vous faire du mal! Non, Jamie, ne... Oh non! Tu n'as pas ta place dans ma fête! Disparais! Drew! Quoi? 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 Ouais, eh bien, nous sommes des sirènes. C'est devenu comme ça quand la comète est passée. Et nous ne pouvons rien y faire. Chaque fois que nous touchons l'eau, nous avons une queue. Et tu le savais? Je viens de le découvrir. Tu n'es pas mon ami. Les amis ne mentent pas. Et toi? Tu es très jolie dans cette robe. Je suis en colère de ne pas pouvoir être en colère contre toi. Et ce médaillon, est-il très précieux ou quoi? Sans lui, je suis faible. Il semble contenir notre énergie vitale. J'ai peur de ne pas tenir longtemps sans ça. Alors nous devons l'enlever à cette misérable. Et elle n'y renoncera pas d'elle-même. Surtout maintenant qu'elle a vu ce qu'il peut faire. Attends, Drew. Nous allons t'aider. Hey, tu n'as pas fait ça par hasard, n'est-ce pas? Ouais, c'est... Ça arrive quand je suis excitée ou heureuse. Tu as donc des pouvoirs sans le médaillon. Tu peux les utiliser. Je n'ai pas encore appris à contrôler mes pouvoirs. Parfois, les choses deviennent incontrôlables. Montre-moi ce que tu peux faire. Pas grand-chose encore. Pas grand-chose? C'est assez. Nous allons récupérer ce médaillon et le rapporter. C'est magique. C'est pourquoi elle était si réticente à le vendre. Je veux... une montagne de bonbons. Hey, pourquoi ça ne marche pas? Il est cassé ou quoi? Il ne fait pas ce que tu veux vraiment. Apparemment, elle n'a pas vraiment envie de bonbons pour le moment. Allez, Drew, donne-lui une idée de ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il y a, Paige? As-tu peur de l'eau? Dépose-moi tout de suite. Ou bien je vais... D'accord. Tu veux que ça redevienne comme avant? Tout ce que tu as à faire est de demander. Ah, je veux que les choses reviennent comme elles étaient, s'il te plaît. Ah!
Drew. Des sirènes? C'est pour ça que les médaillons sont magiques. Ceci ne t'appartient pas. Mon médaillon. Tu penses que c'est la fin? C'est juste le début. Je dirai à tout le monde à quel point tu es bizarre. Je leur dirai que vous êtes des sirènes. Ils vous emmèneront pour des recherches et j'aurai un bonus pour vous avoir dénoncé. Personne ne te croira. Surtout si personne ne s'en souvient. Es-tu sûr? Paige ne se souviendra de rien. Mais Jamie non plus. Allez, Drew, je t'ai déjà aimé, que tu sois une sirène ou non. Je ne peux pas le faire une deuxième fois. Ne me dis pas ça la prochaine fois. Je veux que tout le monde oublie que nous sommes des sirènes. Ah! Ah! J'ai mal à la tête. Que faisons-nous ici? Et où en sommes-nous? Nous sommes à la fête de Paige. Elle nous a invités et elle est vraiment excitée. Au fait, tu aimes Drew et Drew t'aime bien. Ne perds pas de temps. Hein? C'était quoi? Drew! Tu es si jolie ce soir. La classe, je vous présente la nouvelle, Harry. Nouvelle fille. Intéressant. Tu ne peux pas porter de chapeau en classe. C'est une règle. Wow, magnifique. Oh mon Dieu, tes cheveux. Harry, hey, regarde ces cheveux, parle-nous de toi. Vous, s'il te plaît, je vais vous montrer. Je n'en reviens pas. Le cours n'est pas fini. Barbara. Wow. Je peux venir avec vous? Bien sûr. De l'eau. Je suis tellement désolée. C'est juste de l'eau. Bon, on va y aller. Oh, allez, c'est juste une farce. Oh non! Mais comment? Disparais! Disparais! Je vais devoir me cacher. Pas moi. Pete, l'océan Pacifique. Oh mince! Oui. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne. Harry est là. Hey, c'est ma sauveuse. C'est encore Harry. Connais-tu tout de la mer? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais à tes cheveux? Viendras-tu à ma fête? Vraiment désolée pour l'eau. La paix? Bien sûr. Poisson? Merci, je ne mange pas de poisson. Voici. C'est pour... Il y a dû y avoir un problème dans la cuisine. Oh, wow! Hmm.
veux jouer à un jeu avec moi? Jouer à quoi? Ah, je t'ai eu! Non, je ne sais pas comment. Je vais jouer. Jamie, attrape! Quoi? Pourquoi tu ne quittes pas juste l'école? Hein? Harry? Oh, 4 poissons! Combien? Hihi! 3. Je ne sais pas. 4. Je fais confiance à Pete. 4 doigts. Haha, bien joué, Pete. Bien. Allez. C'est délicieux. Comme à la maison. Hein? Vas-y, partage. C'est ça. Achou. Une dernière touche. Oh, mince. Je vais arranger ça. Harry? Hein? Pom, 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 pom. Harry, tu peux aller m'en chercher un comme ça. Ça marche. Et voilà. Peut-être autre chose? Barbara. Oh, du coca. Non, Pete. Hein? Je pensais que tu étais radine. Je dois... Mais qu'est-ce que j'ai dit? Impossible! C'est une sirène! Harry est une sirène! Oh non! Harry est une sirène! Une vraie! La voilà! Une sirène! Je ne suis pas... Personne ne va être ami avec moi maintenant! Je vous avais dit que quelque chose n'allait pas chez elle! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Tellement triste. Les gars! Ne faites pas attention à elle. Je suis en retard. Je suis pas en retard. Salut! Tu ne sais pas? Elle est une sirène. Chut. Peu importe. Harry est mon ami. Hein? Bien, tu vas le regretter. Vous êtes sur le point de voir à quoi ressemble vraiment Harry. Hein? Ah! Oh non! Ça y est! Quelle queue! C'est cool! C'est magnifique! Je la veux aussi. Je peux te l'emprunter pour la compétition. Tu sais nager vite. Elle est magnifique. Je peux la toucher. Pourquoi? C'est un monstre. Vous êtes fou? Qu'est-ce qui ne va pas? Waouh, c'est magnifique. Tout comme celle d'Harry. Je veux aussi être une sirène. Ouais, j'ai été une sirène pendant très longtemps. Merci. C'est quoi ça? C'est un téléphone. Ça, c'est un téléphone. Ouais, c'est génial. Souriez. Je vais l'envoyer à tout le monde.
Elles sont super. Comment on peut les voir sur le tien? Waouh! Voilà comment. Ah, cool! Les gars, abonnez-vous et aimez cette vidéo. J'organise une fête. Non, merci. Il y a une fête ce soir. Pas moyen. Moi, j'y serai. Très bien, je l'ai. Donne-le-moi. Hein? Ah. Tu n'as rien à faire à la fête. Hein? Tu n'avais pas assez d'argent pour un téléphone normal? Oh. Relax, j'en ai une autre. Merci. Oui. Il faut faire quelque chose pour changer ça. Ah ah! Non. 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 Ah! Non. J'ai hâte d'être à la fête. Ah! Harry! Ah! Hein? Mais quel bordel! J'étais en train de ranger. Pas de fête tant que tu n'as pas tout rangé. Hein? Ah, 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 j'exaucerai tes souhaits pendant une heure. Prouve-le que tu es un génie. Facile. Waouh! Et maintenant, une fleur. Ouais, et le désordre? Bien pour toi. Où est-ce qu'il se cache? Brave fille, tu peux partir maintenant. Les adolescents. Qu'est-ce que je peux souhaiter? J'en veux beaucoup. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Maintenant, à boire. Ah! Beaucoup. Wouh! Oh! Et les chips? Beaucoup. Wow! C'est un rêve. Nom 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 nom. Tu peux arranger ça? Bien sûr. La magie ne fonctionne pas ici. Youhou! Maintenant, en Australie.
Allez-vous l'aider? Bien sûr que je vais le faire. Je suis si belle! Ouh! La touche finale. Mais elles sont énormes! Vraiment. Je ne peux pas. Oh! Tout va bien. Je vais t'enseigner. Hein? Juste claquer des doigts. Je pensais que tu aimais ça. Waouh, magnifique. Ah, pas encore. Peux-tu magiquement faire apparaître un sweatshirt? Super. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Bien joué. Prends-en soin. Bien sûr. Harry. Harry. Je vais ranger, maman. Quel bordel. T'en prie. Non, merci. Allez, juste un morceau de gâteau. Merci. Ah! Oh non! Ma robe! Oh! Hein? Ah! Et pour la robe? Non, merci. Famille? Mon frère. Harry, salut. Quelqu'un veut danser avec moi? Bien sûr. Tes chaussures, Barbara, ce n'est pas sûr. Les baskets sont parfaites. C'est à ton tour de nettoyer. Non! Aimez la vidéo et abonnez-vous. Amuse-toi bien, ma belle. Le monde est vraiment pas juste. Un bonbon? Pourquoi je suis pas une sirène? Elles sont magiques. Et à moitié poisson. Merci. C'est qui? Une sirène? T'as vu ça? Oui, on a beaucoup de nouveaux dans notre école. Je vais aussi devenir une sirène. Aïe, ça fait mal! Je connais tout de toi. Salut la nouvelle. Cadeau. Je comprends pas. Sorcellerie! Chloé! Désolée, Harry fait de la magie. Regarde. Hé, elle est passée où? Je vais le découvrir dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a là? Je veux être comme ça aussi. Ok, où c'était? Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3. Apportez-moi des friandises.
aussi. Pete, j'ai besoin d'aide. Fais pas de bruit. C'était quoi, ça? Je ne sais pas. Aide-moi, s'il te plaît. Aïe! Ouf, elle dort. Où est-il? C'est pas ça. Le voilà. C'est de ça dont j'ai besoin. Chloé, dépêche-toi, je dois faire pipi. Pas prise. Superbe plan. Tout est clair. Aqueduc, Silus. Attends, pas ça, pas ça. Aqueduc, Silus. Ah, désolé, désolé. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça à la fin? C'est vraiment pas mon jour. La foudre a frappé. Je n'abandonne pas. Aqueduc, Silus. Hein? J'ai réussi. Je suis si contente. Et personne n'a été blessé. Chut, quelqu'un arrive. Ça va être marrant. Mais... Faisons quelques ajustements. Hé, hey, oups. Rends-moi le livre. Hé, hey, une grenouille. Hein? Allez, cours. Ribbit. Ribbit. Enfin, j'ai mangé une mouche. Je vais lui montrer. On peut sortir ensemble. Laisse-moi tranquille, je suis pas intéressée. Oh, attends, allons-y. Vole juste mon livre à Chloé. Marché conclu? Marché conclu. Super. Il peut faire apparaître du fil dentaire. Parfait. Ok, pas ça. Aha! C'est mieux comme ça, hein? Ou... Je vais la voir dans tous les cas. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste là. Va-t'en! Je n'abandonnerai pas mon précieux. C'était quoi ça? Quel livre intéressant. Amusons-nous un peu. Je peux le voir? Mon livre! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Il doit être détruit. C'est mieux. Pete, c'est bon, tu n'es pas la seule. Aqueduc, Silus. Très bien, mon nouveau Pete. Il ressemble au vrai. Allons faire un tour. Ce Pete n'est pas du tout mon ami. Il ne comprend pas l'importance de la magie pour moi. Qu'est-ce que tu dis? On peut pas parler. Attrape. Hein? Oh!
peux pas jouer. Hein? Tu as soif? T'es complètement inutile. Ah, ça partira quand? Désolée pour le livre et Chloé. Aide-moi à faire revenir Chloé, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ok. Ok, ok, juste arrête. Chloé et toi êtes complètement fous. Salut, je suis impressionnée par tes capacités. Ouais, je peux faire beaucoup de choses. J'ai remarqué. Pete, tu vas me vaporiser maintenant, n'est-ce pas? Prends le livre, je n'en ai pas besoin sans un ami. Dépêche-toi, avant qu'elle change d'avis. Comment je peux faire sans le livre maintenant? C'est quoi ça? C'est moi. Je veux pas te voir. Désolée, je voulais bien faire. Je m'en fiche. J'ai un cadeau pour toi. Une fête de sirène? Mais je suis pas une sirène. Je vais aider. Viens avec moi. Bon, c'est juste toi et moi. Ouais. Cet endroit est génial! Et c'est pas tout. Youpi, je suis une sirène! Est-ce que c'est bon? C'est trop bon! Je sais. Oh, j'adore les nouvelles. Waouh! Tu veux être ma petite amie? Waouh! Tu peux rester pour toujours. Oui, oui, j'aimerais bien. En fait, non, ramène-moi à la maison. Fais. Chloé, tu es de retour. Je ne pouvais pas abandonner mon amie. Au début. Et maintenant, comme ça. Et on obtient un ballon. Hey, bébé, et notre rendez-vous? Ah! Oh! Est-ce que j'ai tout gâché? Ah, tout le contraire, une magie parfaite. Abonnez-vous à notre chaîne.